Pourquoi seul le triangle des Bermudes est-il devenu célèbre? Et saviez-vous qu'il existait d'autres triangles mystérieux où les navires disparaissent dans d'étranges circonstances? Le triangle que nous allons explorer pourrait vous sembler bien plus dangereux et terrifiant que celui des Bermudes. Les rumeurs évoquant des vaisseaux extraterrestres, des portails vers d'autres dimensions, ou même que l'Atlantide aurait sombré dans la région des Bermudes. Vous avez probablement déjà entendu parler de tout cela. Mais le triangle dont nous parlons est entouré d'autres légendes. Imaginez naviguer en haute mer et apercevoir un étrange navire de forme arrondie à l'horizon. Une femme énigmatique se tient sur son pont et vous fixe intensément. Oui, de telles histoires entourent le triangle du dragon. Si vous cherchez à comprendre cette région, vous constaterez que même sa localisation relève du mystère. Ce triangle se situe dans l'océan Pacifique, près des côtes japonaises, et s'étend du Japon aux îles Bonin en touchant la mer des Philippines. Cependant, sa position exacte demeure incertaine. Certaines sources le placent à 110 km à l'est des côtes japonaises, tandis que d'autres le situent à environ 1200 km. Une telle variation des coordonnées s'explique par le fait que cette zone ne soit répertoriée sur aucune carte officielle. Les dimensions précises de ces eaux demeurent donc inconnues. Surnommé le triangle des Bermudes du Pacifique, le triangle du dragon est considéré comme le jumeau maléfique du premier, mais en plus ancien. Le fait est que les récits de disparitions mystérieuses de navires dans cette région datent d'avant ceux du triangle des Bermudes. C'est au XIIIe siècle que les gens ont pour la première fois pris conscience du mystérieux pouvoir de cette région. Kubilai Khan, le petit-fils de Genghis Khan, envoya 4000 hommes par voie maritime en vue de conquérir le Japon, traversant précisément le triangle du dragon. Toutefois, ces hommes ne parvinrent jamais jusqu'aux côtes japonaises, les typhons de la région ayant coulé l'intégralité de la flotte. Suite à cet incident, Kubilai Khan renonça à son projet d'invasion. Les Japonais commencèrent alors à croire que cette zone possédait des pouvoirs surnaturels. Dans le monde moderne, des plongeurs et des archéologues ont tenté d'éprouver la véracité de cette histoire. Et en explorant les fonds marins du triangle, ils ont effectivement découvert des artefacts de la flotte mongole engloutie. Quelques centaines d'années plus tard, au début du 19e siècle, une autre histoire mystérieuse se déroula dans cette région. Des marins traversant le triangle du dragon aperçurent alors un étrange navire qui ressemblait à un encensoir japonais avec à son bord une seule personne. Une femme énigmatique dont l'identité resta inconnue. Dans les années 1940 et 1950, des rapports commencèrent à affluer concernant des disparitions de navires dans cette zone. Des bateaux de pêche et de plus grands bateaux disparurent, sans laisser de traces. Le Japon envoya un navire de recherche pour enquêter sur ces disparitions, mais celui-ci, avec ses 31 membres d'équipage, disparut également. L'épave fut retrouvée plus tard, mais sans aucun marin à bord. Les légendes entourant cet endroit mystérieux refirent à leur surface. Selon un mythe ancien, des dragons vivraient sous les eaux, détruisant les navires et capturant les humains pour satisfaire leur appétit. Ces récits millénaires ont persisté. Avec le temps, néanmoins, des hypothèses scientifiques ont commencé à émerger aux côtés de ces contes fantastiques. Les chercheurs se sont penchés sur les particularités de cette région. L'un d'eux a suggéré que les courants froids et chauds se mélangeaient, puis passaient à travers des zones de forte activité électromagnétique. Et lorsque ces courants rencontrent ces ondes, ils génèrent une interférence. Ce phénomène désoriente les équipements électroniques des navires, rendant les dispositifs de navigation inopérants. En l'absence de signaux de détresse et d'orientation, une tempête peut transformer les navires en proie facile. Une autre théorie avance l'existence de volcans sous-marins au fond du triangle. Lors de leurs éruptions, ces volcans libèrent d'énormes quantités de magma, créant des vagues gigantesques et perturbant les eaux. Cette activité sismique fréquente au large des côtes japonaises donne du crédit à cette hypothèse et pourrait expliquer ces légendes anciennes de dragons marins. De plus, les îles de la région apparaissent et disparaissent souvent. Lorsque le magma refroidit sous l'eau,
Ils forment des couches de roches qui émergent, puis s'effondrent lors de la prochaine éruption. Certaines de ces îles subsistent. Imaginez un navire en pleine mer lorsque soudain une île émerge par en dessous, fissurant sa coque. Enfin, les hydrates de méthane pourraient être responsables des destructions de navires. Ces substances s'échappent de la croûte terrestre, formant d'énormes bulles qui explosent en remontant à la surface. Une bulle de méthane assez grande peut endommager gravement, voire détruire un navire. Quoi qu'il en soit, les scientifiques n'ont pas encore déterminé la cause exacte de ces disparitions de navires. En fin de compte, tous ces incidents mystérieux pourraient mi-bien ne relever que de la légende. Les triangles des Bermudes et du Dragon se situent dans les océans. Mais que dire d'un triangle au beau milieu d'un lac ? Dans le lac Michigan, entre l'État du même nom et le Wisconsin, se trouve un triangle mystérieux. En 1950, un avion transportant 108 passagers a disparu sans laisser de traces en survolant le lac. Lors des recherches, les sauveteurs n'ont retrouvé que quelques débris de l'avion flottant à la surface. Outre l'avion, de nombreux navires ont également disparu dans cette zone, et des gens ont parfois disparu mystérieusement de leur bateau. Un tel incident est survenu en 1937. Alors que le navire traversait le triangle du lac Michigan, le capitaine George Donner se rendit dans sa cabine pour se reposer. 3 heures plus tard, un membre de l'équipage frappa à sa porte pour le réveiller, mais n'obtint aucune réponse. Inquiet, le marin entra dans la cabine, mais le capitaine semblait s'être volatilisé. Malgré des recherches intensives, l'équipage ne retrouva jamais le capitaine Donner. Sa disparition demeure un mystère inexpliqué à ce jour. Peut-être s'agit-il de pure fiction, mais le triangle du lac Michigan reste profondément troublant. Et quid des triangles terrestres ? Voici le triangle de Bennington, situé dans la partie sud-ouest du Vermont aux États-Unis. Il s'agit d'un lieu que vous devriez à tout prix éviter. De nombreuses histoires effrayantes circulent à son sujet, et c'est à vous de juger de leur véracité. En novembre 1945, un groupe de chasseurs traversait cette zone. Un homme de 74 ans marchait en tête du groupe, et sous les yeux de plusieurs témoins, il fit un pas et disparut. Les chasseurs alertèrent les secours, mais aucune trace de l'homme ne fut jamais retrouvée. En décembre 1946, plusieurs étudiants étaient partis camper. Cette fois, c'est une jeune fille de 18 ans qui dirigeait le groupe. Elle s'avança de quelques pas pour explorer le terrain et disparut à son tour. Les campeurs appelèrent la police, qui fut rejointe par le FBI pour quadriller la zone. Des habitants des villes voisines rapportèrent avoir vu une jeune fille correspondant à la description, accompagnée d'un homme beaucoup plus âgé. Les deux auraient dû quitter la région en voiture pour ne plus jamais être revus. Peu après, une voiture similaire fut retrouvée brûlée non loin de New York, mais il était impossible de confirmer si la jeune fille disparue se trouvait à l'intérieur. 3 ans plus tard, un autre homme disparut dans le triangle de Bennington. Il attendait un bus au terminus de la ligne. Quand l'autobus arriva, il grimpa à bord, mais n'atteignit jamais sa destination. Sans en être jamais sorti, il semblait s'être proprement volatilisé. La police n'en retrouva pas la moindre trace. Le cas le plus troublant survint en 1950. Près du triangle de Bennington, une femme conduisait une camionnette avec son jeune fils. Elle s'arrêta quelques minutes pour faire des courses dans une station-service. Mais à son retour, son fils avait tout simplement disparu. La police passa la zone au peigne fin avec des chiens renifleurs qui parvinrent à suivre la piste du garçon jusqu'à un point dans la forêt où elle s'interrompit tout à coup. Et savez-vous où cela se trouvait exactement ? À l'endroit précis où cette étudiante avait disparu en 1946.